Non, on va ouvrir derrière avec Hogan. Voilà, Elwood, Bell qui a fait semblant de croiser, qui a donné à Oshie. Oshie libère son ballon. Voilà, Hogan pour Mullin pour Goegan, interception d'Emile Ntamack, Emile court Emile, vas-y Emile qui part vers la ligne de touche, il va marquer l'essai, c'est fait voilà l'essai d'Emile Ntamack. Alors déjà qu'il était en train de devenir la star de cette Coupe du Monde, voilà qui va encore augmenter sa situation, le fait que tout le monde maintenant le regarde avec beaucoup d'intérêt. C'est lui qui marque contre l'Écosse, c'est lui qui marque ici le deuxième essai des Français. Alors, regardez, Hogan qui sert dans le côté fermé. Mullin qui fait une très belle passe à Ntamack. Et Mullin qui revient à 200 à l'heure derrière Emile. Mullin qui a été demi-finaliste au 110 mètres haies. Rappelez-vous, c'est en Irlande. Très bon coureur, mais qui ne peut revenir sur Ntamack.